Et salut à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette suite d'aventure sur Templar Secret, l'aventure de Feder, donc quatrième niveau, Sophia Office. Est-ce que ça va être un boss? Je ne sais pas. En tout cas, toujours dans ces environnements londoniens. Bon, là, bien sûr, c'est parisien, mais ça me fait beaucoup penser au niveau de la ville déjà, de Tomb Raider 3. Il y a un aquarium, géant. Je sais pas, mais je sens qu'on va avoir un boss. Je le sens gros comme une maison. Oula, c'est ça. Ah, il y a une torche là. Regardez. Donc, alors, je vous confirme qu'il y a bien 8 niveaux en. Ouh. Ah, mais je peux pas grimper là, c'est pas possible. C'est trop. Ouais. Je peux pas. Je peux pas prendre, peut-être qu'on va redescendre ici. Je sais pas. En tout cas, oui, je vous confirme bien qu'il y a bien 8 niveaux dans cette aventure. Ah bah oui, j'avais bien raison d'essayer de tirer ça. Voilà, donc 8 niveaux dans cette aventure. Donc on est à la moitié de. À la moitié de celle-ci. Pourquoi c'est utile de pousser ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut pousser d'autres choses? Ça, c'est pas la même couleur, celui-là, regarde, il est un peu plus jaune. Forcément, quelque chose. Il va pas y avoir grand-chose, hein, parce que bon. Vu comment c'est très. Dire ça. Là on peut pas. Là où il y avait les torches, est-ce qu'on peut le. Non. À quoi ça sert alors de faire ça? À quoi ça servirait de pousser des blocs sachant que ils ne servent à rien? Ah oui, mais oui, que je suis con, c'est lui qui se pousse. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est bon, putain, j'ai compris, ça y est. Oui, alors attendez. Ça. Ok. Donc ça, faudrait que je le mette là, comme ça, ici. Ah oui, non, mais je peux pas. Là, les deux me gênent. C'est l'inverse. C'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Putain, j'avais pas compris l'énigme. Je comprenais pas. Je vois des blocs qui se poussent, une ouverture en haut, mais j'ai pas fait le rapprochement avec le bloc d'en haut. Putain, c'est grave ça. Allez, le dernier niveau m'a quand même perturbé. Hein. le dernier niveau était horrible. Hein. Enfin, horrible, pas dans le sens mauvais. Il était vraiment très très bien, mais c'est vrai que. J'ai eu du mal, j'ai eu énormément de mal à m'en sortir, vraiment. C'était pas cool. Voilà, donc là maintenant, je peux commencer à jouer avec celui-là. Donc là, je vais le pousser et puis après, je le remets devant. Ok, c'est bon. Et bien évidemment, on met la musique de Tomb Raider 5, hein. Évidemment. Voilà, et celui-là après. C'était celui-là qui se poussait. Et voilà. Et après on le remet là-bas et ensuite on tire le bloc. Ok, ça va, c'était pas compliqué. Il suffit d'être un peu concentré là. En tout cas, première salle et déjà première. Première énigme à coup de. À base de blocs. Bon. C'est un délire. Et là maintenant il faut remettre celui-là
ici. Là, pareil, ça me rappelle. Ça me rappelle beaucoup des énigmes. Alors, il y avait une énigme avec des blocs comme ça dans TR6, dans le Strahov. Il y avait aussi une énigme avec des blocs dans Tomb Raider 1. Dans Tomb Raider 1 avec les blocs de Nathla. Dans le premier niveau du monde perdu. Enfin, du monde perdu. Et la pyramide, si vous avez les perdus, c'est dans le premier chapitre. Ok, allez. Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour des blocs, quand même. Putain de merde, c'est pas possible. J'aurais peut-être pas dû faire une save ici, si jamais ça bug, j'aurais peut-être. Bon, c'était pas grave, j'ai une save en fin de niveau. L'autre partie, c'est pas grave. Oh, du feu. Comme c'est étonnant, tiens. Là, y'a rien derrière. Et bon, voilà, comme c'est étonnant, un piège. Il y a combien là de machin là, de rayons? Il n'y en a qu'un. Oui, il n'y en a qu'un, c'est bon. Alors on se lève. Oh non, c'est dingue ça! Oh putain! Qu'est-ce que c'est con, sans déconner! Qu'est-ce que c'est con! Elle se prend le plafond! Ça pourrait pas arriver dans les jeux d'aujourd'hui, ça. Ça ne doit plus arriver dans les jeux d'aujourd'hui. Bon, là, ça arrive, mais bon. Le jeu, il a 150 ans, mais quand même! Quand même! Vas-y, on fait moi une save ici au muséum. Faut que je saute avec de l'élan. Enfin, voilà comme ça. Et là j'ai fait une connerie. C'est bon. Ah putain! Je pensais que j'étais un short, mais je pensais que j'étais bien, mais en fait non, pas du tout. Je fais n'importe quoi. Je devrais regrimper directement en rampant. C'est con ce que je fais. Voilà, comme ça, on peut le faire. On le fait, c'est tout. Je fais n'importe quoi. Ok. Ça va tomber, hein, on connaît l'histoire, blablabla. Et on revient nulle part, on n'est pas passé là. Ah oui, là c'est très Tomb Raider 5, là c'est très la tour de Van Croy. Hein. C'est vraiment le même. Là c'est les textures de TR5. Ok. À s'ouvrir là. Ok, d'accord, je vais voir ce que ça active là-bas. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ah, ça nous permet de revenir au début, c'est ça? Ah, ça sert à rien en fait. Enfin, ça sert si jamais vous avez oublié de récupérer les. Non, ça se voit pas. Ça sert si vous avez oublié de récupérer des trucs. Il y avait une grande trousse, il me semble. Ou des torches, je sais plus. D'accord. Un passage là, un passage là, un passage là. Bon, on va commencer par celui-là. Pff.
Ouh là là, je sais pas, mais je le sens mal là, ce qu'il y a derrière. Ah, c'est un ascenseur. Comme si ça suffisait pas. Il y a plusieurs étages maintenant, tiens. Oh putain. Là, c'est fermé. Mais c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal l'idée, en tout cas. Les... Là, c'est vraiment très des niveaux de Tomb Raider 3. Là, il y a une combinaison, là. Une combinaison qui me permettra d'ouvrir cette porte-là, j'imagine. Donc, j'imagine que. Bon, on va. Je vais tout désactiver, ça sera pas ça. Et puis, après, on repartira. On trouvera une note, j'imagine, avec le bon. Bonne combinaison. Voilà, c'est pas ça, évidemment. Bon, il faut trouver la combinaison quelque part. Oui, bah, on va trouver la combinaison. Donc on va repartir, on va reprendre l'ascenseur, on va aller voir ce qui se trouve dans les autres, dans les autres portes. Ça tremble et on arrive en bas ou en haut, je sais pas si on descend, si on monte, on sait pas. Alors je viens de là normalement, je viens ici sur la droite, c'est ça, voilà, c'est la double porte, donc on va aller là. Oui, moi je pense qu'il faut trouver une combinaison, forcément il y a obligatoirement une combinaison quelque part affichée. Putain, c'est ouf, il y a encore un étage là-haut. Non, un petit cola. Ah, ben regardez, ben merci de. Merci la caméra. Il y avait des bouchons de fusil. Bon. Là, on n'a rien. Quelqu'un. C'est le même délire que dans. Que dans Terre. Ah! Regardez! Ok. Donc le 2, le 3 et le 5 en vert. Le 2, le 3 et le 5. En fait, il n'y a rien ici, hein, d'accord? C'est vide. À part là, là, il y a une porte là. Le 2, le 3 et le 5. Il faut garder cette combinaison. Ah, là il faut une clé. On n'a pas. Oui, mais ça me. Je vois pas ce que c'est censé me prouver ces petites musiques là. Il n'y a rien, c'est tout. Il se passe rien, c'est tout. Deux, allez, 2, 3, 5. On s'en souvient toujours. Et il va y avoir un truc derrière, bien évidemment. Et la chanson. Là, c'est ça? Ah, c'était à côté. Alors, le 2, le 3, ok, donc lui, on le referme. Le 2, le 3, et lui, on le referme aussi. Ah là 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 là, il y a du niveau! Je sais lire. Ah, je sais. Mais encore. Oui,
voulais vous le dire. Ah oui, bah attendez, je récupère un CD, mais qu'est-ce que j'en fais moi tout CD? Est-ce que j'ai vu un endroit avec un lecteur CD quelque part? Je ne sais plus. Je ne sais plus si j'ai vu un endroit avec un lecteur. Oh merde. Avec un lecteur CD quelque part. C'était pas un lecteur de CD, c'était une clé qu'il fallait mettre dedans. Merde. Bon, on va bien vérifier ce que l'on a vu. Ça, on est d'accord que ça se pousse pas. Hein, c'était... Non, ça en fait rien avec ça. Ok, bon. Tout ça pour le CD, d'accord. C'était bien joué ça. Encore un! En même temps, on a dû déclencher l'alarme donc. C'est pas d'où il vient le fusil, bah oui, il vient de l'ascenseur, évidemment. D'accord. Ok, bon, bah il y a un CDM quelque part, je sais pas. Moi j'ai vu qu'une serrure, hein, donc. On va pas mettre le CD là-dedans. Comment ça s'appelle ça? Code de sécurité. Alors là, les enfants. Pourquoi est-ce que je peux me le carrer ce CD, hein? Vraiment, ça s'ouvre pas, ça. Non, ça s'ouvre pas. Alors, bon. On a le CD. Là, on vient d'ici. Et l'endroit d'où on vient, il n'y a pas de lecteur de CD, il me semble. Ou alors, je l'ai complètement zappé. On va quand même y revenir avant de se... Avant de se faire avoir, hein, en disant putain, il y avait un lecteur CD, on l'a pas vu et ça me saoulait si je le vois pas. Non, là il y a rien, et derrière il y a rien non plus. Ça c'est sûr et certain. Donc, on va repartir ici sur la droite. Ça se met pas là. Ça serait énorme. Là, c'est là où on avait la réponse à l'énigme, donc il n'y aurait aucun intérêt à la mettre une nouvelle fois ici le lecteur de sécurité. Ça ferait une salle en plus. Ça ferait une salle de. Aller deux fois dans cette salle-là, ça serait trop. Et moi, c'est. Ah, c'est là-bas! C'est là-bas. Ah, j'ai trouvé. Regardez là. Ah, mais non, j'ai pas trouvé du tout. Hein? Ah non, c'est pas ça du tout. Il dit pas qu'il faut. Il faut pas. Ok. Ah putain, mais oui, c'était ça. J'étais pas loin en fait, hein. Il fallait le casser, mais ça s'est pas cassé. Donc là, encore une fois, on me met ce piège à la con. Hein? Parce que bon, une fois, ça va. Deux fois, ça va. Trois fois, ça va. Mais bon, quatrième fois, ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Elle est tellement lente, en plus, elle est grosse. Oh putain, merde. La grossophobie, on est mal. Ah ouais, mais bien sûr. Ah, mais comment je vais le choper, ce truc-là? Putain, faudrait que je me mette là, pile comme ça. Oh là. Ouais. Bon, je vais tenter, mais bon. C'est impossible de le faire sans se... Bon, j'ai pas perdu beaucoup de vie, en fin de compte. Mais quand même. Quand même, ça fait mal. Allez. Ah non. Attention. On va se mettre là, on va avancer, on va attendre qu'il reparte et on va y aller. Voilà, c'est bon. Oh, il va jusqu'au bout. Oh putain, Je ne suis pas mort.
Il va jusqu'au bout, il va quasiment jusqu'au bout, cet enfoiré. Je l'avais pas vu. C'est terrifiant. Tout ça pour aller de l'autre côté en fait. Oui, donc tout ça pour aller. Au niveau des. Au niveau du lecteur avec le code de sécurité. Voilà, tout ça pour ça. Donc là, j'imagine que le bouton ouvre la porte. Évidemment. Bon, mais j'ai bien fait de récupérer cette grande trousse de soins, vu que dans tous les cas, je l'aurais. Ah, ça va ouvrir le coffre, c'est ça. Dans tous les cas, je l'aurais perdu cette vie. Hein. Non, bah non. La clé, je sens qu'on va arriver dans un endroit. Ah, la porte fermée. On va arriver dans un endroit avec un grand temple de fées, une grande porte, on va la mettre et ça va ouvrir la porte. C'est un peu le délire de la dague d'Oxyane dans TR2. Et ça va être le même délire. Donc là, par contre, j'ai vu une serrure tout à l'heure. C'était là-bas, normalement. C'était ici, sur la gauche. Map to the island. Ah, c'est la carte, d'accord, ok. Ah, on va aller sur une île. Ok, bon bah. Je viens de comprendre. Ouais, il y a encore un piège à la con, je le sens, il y a encore des faisceaux rouges là. Ah, d'accord, on descend. Ok, on descend. On descend encore. C'est la fin ? Ah, ce serait long, c'est la fin comme ça. Ah, ben c'est la fin. Ah, ben voilà, ben c'est la fin. Il n'y a pas de secret, d'accord. Donc, ok, donc c'est juste un petit niveau comme ça avec. Où il fallait récupérer en fait la carte. En fait, on a fait tout ça pour entrer dans le bâtiment et récupérer la carte et la clé, surtout parce qu'ils avaient la clé et la carte. Pas au même endroit, mais ils avaient les deux. Donc, tout ça pour ça. Enfin, tout ça, c'est bien. Donc maintenant, on sait où se trouve le temple secret. Bref, eh bien, écoutez, j'espère vraiment que vous aimez ce petit niveau. C'était bien différent des autres. Hein. On est sur des niveaux un peu plus faciles pour ce cas-là. Mais voilà, c'était bien. J'ai bien aimé l'idée avec l'ascenseur. Tout ça, c'était cool. C'était vraiment très cool. Bah écoutez, j'espère vraiment que vous aimez cette vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Partagez si vous avez aimé. Et c'est le cas de la prochaine pour la suite des aventures sur Tomb Raider Level Editor. Allez, ciao tout le monde!